Bonjour à tous. Une petite vidéo super rapide, c'est juste pour vous montrer le train que j'ai fait pour mon neveu, le train de l'Avent. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop bougé. Il y en a qui m'ont demandé un tuto. Franchement, c'est un petit peu long, c'est pas très difficile à faire. Je le ferai peut-être l'année prochaine, maintenant je pense que c'est un peu tard. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, là, la petite locomotive, un premier wagon on va dire. Alors là j'ai mis des petits carrés que j'ai fait avec un, comment ça s'appelle? Géandaris, hein, pour faire ces boîtes-là. Voilà, que j'avais acheté les dernières pour ma fille. Là ça s'ouvre, on pourrait mettre des choses. Là on a mis les boîtes, on est le 2, donc il a ouvert le 1. Voilà. Hop. Donc ça s'ouvre. Et là j'ai mis des sachets dans le second wagon, des sachets où dedans il a des petites surprises. Bon, pour le coup là, c'est des petits Playmobil. Voilà, parce que cette année, il veut des Playmobil. Je referme. Donc voilà, les petits sachets, je les ai décorés vraiment tout simple. Hein. Il a que 3 ans, hein, donc bon, ça va. Et là, pour faire les attaches, pour ceux qui me demandaient, là j'ai mis un anneau, vous savez, c'est une, comment ça s'appelle? L'attache parisienne avec un anneau. Et là, c'est une trombone que j'ai coupée. Et là, je l'ai collée en fait. Je l'ai pliée et je l'ai collée dans la doublure du papier, si vous voulez. Voilà. Et j'ai fait pareil pour la seconde attache. Après, sûrement d'autres systèmes, hein. Il y en a qui ont mis un petit ruban, des choses comme ça. Donc voilà. Et j'ai pris les papiers de la collection Action. Avec un petit renard là, parce que chez nous, nous sommes fans de renards. Et voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.